Bonjour à tous, bienvenue pour l'épisode 3 de Phasmophobia. Donc là, cette fois-ci, une petite map, Tanglewood Street House. On va voir si on peut faire ça assez rapido. On va voir, on va voir. C'est parti. Je crois que c'est la seule map du jeu où il te recommande, où le nombre de joueurs recommandés dessus, c'est que un joueur. Et du coup, tranquillou. Alors, ensemble, on s'échappe d'une chasse, il est complètement bugué cet objectif. Et Ghost Event, ok. Il s'appelle William Jones. Juste William, on va retenir. Tac. Tac. Ok. Attends, si, non, l'encens, c'est pendant qu'il chasse ou c'est juste à la pièce? C'est juste à la pièce, ok. C'est tout ce que je voulais savoir. Alors, William. Let's go! William, show us. Where are you? Show us. Where are you? Vraiment? Tu viens vraiment te cogner contre la vitre directement dès l'entrée du jeu, là, comme ça, là? Ok. Moi, ça me va, hein, franchement. Tu viens vraiment de le refaire, là? Non, qu'est-ce que tu fais? Bon, bah, il est là. Bon, bah, écoute, il est là, c'est nice. On va aller chercher tout le petit truc qu'il faut. Il joue avec les portes du placard. On est content. Est-ce que le générateur est allumé? Non, on s'en fout. Bon, bah c'était rapide. Putain, on l'a déjà trouvé. Donc, prendre ça. Ça, tac. Putain, ouais, là c'était rapide, hein. C'est peut-être le plus rapide que j'ai fait. Non. Non, c'est pas le plus rapide, je t'ai dit bêtise. Le plus rapide que j'ai fait, c'était High School. Sur la map école, là, une fois, j'étais genre. Je rentre dans le hall principal de l'école. Et puis, j'entends un bon gros bruit de pas, je fais non. Il était vraiment dans le hall d'entrée, quoi. Alors, le petit livre, je vais le foutre ici comme ça. Ah, il joue avec les portes de la salle de bain également. Est-ce qu'on a des petites empreintes? Il a cogné contre la vitre aussi. Apparemment pas d'empreinte digitale. Attends, faut que je vérifie cette porte là aussi. Merde. Où est-elle? Là. Non, apparemment c'est pas un fantôme à empreinte. C'est bien, ça enlève la piste revenant, je suis content. Est-ce qu'il a écrit dans le livre déjà? Ouais. Voilà. Ok, on laisse ça là, on va laisser ça là. Ok. Donc on a une preuve, c'est le livre. Tac tac. Ouais, ça va être plutôt rapide, j'ai l'impression. Tac tac tac. Ghost Event, c'est vrai. J'en ai d'ailleurs. Bon bah tant mieux. Oui, que je regarde ça. Pas d'orbe pour l'instant, apparemment. Ouais, pas d'orbe. Il semblerait. On va prendre ça. Est-ce qu'il y a pas... Non, ok. Tac, voilà. Alors. Where are you? Merci beaucoup. Où es-tu? Ici! Alors, de quoi j'ai besoin? Concrètement. Parce que là, Spirit Box, attends. Ah, faudrait que je cherche l'os aussi. Alors, Spirit Box. Yokai, Oni, démon, spirit. Ok. Donc littéralement toutes les preuves restantes du jeu. C'est cool. Putain. Allez, je vais chercher l'os vite fait. Je vais voir si on peut pas le trouver. Ça serait nice. Est-ce qu'il n'y aurait pas une table Ouija aussi? Ce serait pas mal ça.
Le nanos. Après, je connais pas assez le jeu pour savoir où sont les spots des nanos. Je sais qu'il y a les spots normalement, mais je ne connais pas assez le jeu pour les connaître. Si j'allais rallumer le courant au passage. Parce que de toute façon. Ouais, de toute façon, ça influe pas sur ce type de fantôme. Pas d'os, pas de Ouija. Ah si. Un petit nonos. Ça c'est nice. Je vais aller voir en bas s'il n'y a pas la Ouija et je vais aller rétablir le courant. Ah bah le courant est déjà rétabli. Est-ce qu'il n'y a pas la Ouija? Pourquoi je parle comme ça? Je sais pas. Il y a la Ouija. Nickel. Prendre une photo déjà comme ça. Alors, on va laisser le petit briquet là. On va l'amener ça vers la porte d'entrée. Ce MF combien? Ah. Il s'amuse bien en tout cas ici. Hein. C'est la fête. Je vois ça. Alors, on va juste décaler ça. On va le mettre. Oh. Ah bah c'est freezing la dernière preuve, nice. Ok ok. Fils de pute. Merci William pour ta coopération. Je pense que l'objectif de s'échapper de la chasse n'a pas fonctionné parce que normalement il faut que le cœur batte et même quand le cœur y bat ça marche pas des fois parce que c'est complètement bugué cet objectif, ok. Ouais c'est ça, ça n'a pas marché. Bon, je vais peut-être pas m'emmerder avec cet objectif là alors franchement parce que... Ah c'est un démon du coup. Putain c'est un démon pas très agressif en vrai. Quoique si, je suis à 65%. Je dis des bêtises. Je vais aller prendre. Bah, tu sais quoi, je vais juste aller prendre des photos de la Ouija et puis on sera bon. Hein. On va se faire un max de thunes avec la Ouija. Et puis ça sera bon. Alors attends, combien je peux prendre de photos? Un maximum, c'est parfait. Ouais, je pourrais prendre une photo du fantôme aussi, mais flemme. Alors. D'accord, ça marche. On peut faire ça. Est-ce que je peux le prendre à travers la vitre s'il passe là? Ça serait sympa ça. William, viens par ici. William, viens là. Willy. Il va pas venir, c'est ça la blague? C'est pour ça que je me mets à l'entrée avec la table de Ouija, hein, parce que... Comme ça au moins, s'il y a une chasse, la porte me pousse dehors et je suis tranquille. Bon. William ne viendra pas à la fenêtre. J'ai bien peur que non. Tant pis pour toi, William. Alors. How old are you? How old are you? How old are you? How old are you? How old are you?
Je t'emmerde. How old are you? How old are you? Suave, non, William. How old are you? J'en espérais pas tant, William. Merci beaucoup. How old are you? Where are you? J'en espérais pas tant, hein, qu'il apparaisse comme ça, là. On a la petite photo du fantôme, c'est pas mal. Je vais chercher un autre appareil pour faire 4 dernières photos. Okay. Ah! Certes, j'ai plus d'appareil. Ah si, j'en ai... Je suis con, j'avais pris l'autre. Bon. Oui, bah, il me reste que ça à faire, et puis il y a là. Hein. William, William! Est-ce qu'on le voit à travers la fenêtre? Je t'entends marcher, mais je ne le vois pas. Ah! Salut! Comment tu vas? Oh, il est beau! Oh, regardez-le, il est tout beau! Allez hop! J'ai pas que ça à faire, moi. Where are you? Bah, il est à la bas. Boys room, probablement. C'est ça qu'il doit vouloir dire. Boys. Boy bedroom. Yes, sir. Bon, par contre, ça va être assez problématique si je chasse tout le temps. Ça va prendre du temps pour faire les 3 dernières photos. Je vais peut-être faire une petite manip là, vite fait. Genre ça là. Attention, je me drogue. La drogue, c'est mal, les enfants. Allez, Willy. On croit en toi. Est-ce que ça marche au moins les interactions? Oui, ça marche. Parce que putain, là, le premier épisode où ça marchait pas bien, là, c'était relou. Tu m'entends? C'était relou. Allez. How old are you? How old are you? What is your age? Merci beaucoup. T'es vieux, putain. What is your age? What's your age? What's your age? Ah, c'est pas une chasse. What's your age? How old are you? Plus qu'une. S'il te plaît, William. How old are you? How old are you? Where are you? Where are you? Where are you? Je crois qu'on est bon. On est bon! On est bon! Salut, William! Allez, hop. Une expédition rondement menée. Bon, il nous manque ça, mais c'est un objectif buggé, du coup je m'en bats un peu les couilles. Enfin, ça dépend, il y a des games il est buggé, il y a des games il est pas buggé, c'est... Donc d'une manière globale, si, c'est buggé en fait. Voilà, et eh ben merci beaucoup d'avoir suivi cette petite vidéo. Assez court pour le coup. Ça va pas durer très très longtemps, mais voilà, de toute façon, c'est voilà, c'est fini, on a joué. Me faites pas chier. Voilà, je rigole, allez. Bonne journée à tous et à bientôt pour le prochain épisode. Salut!